quelques années, les recruteurs sont soumis à des règles de déontologie, d'éthique de plus en plus importantes, notamment concernant la discrimination, le respect de la vie privée. En entretien de recrutement, on ne va plus du tout sur la sphère privée et on laisse les candidats libres de le faire ou pas. On observe qu'assez naturellement, ils le font de moins en moins. En entreprise, les équipes RH sont confrontées à la même problématique. Il serait hypocrite de penser que la sphère privée n'a pas d'impact sur la vie professionnelle. Les équipes RH doivent donc se montrer garants du respect de la confidentialité, de la bienveillance par rapport à ces informations et transmettre cette posture au manager opérationnel.